Voyons maintenant un micro cymbale, en fait les deux micros, les micros stéréo cymbales. Donc j'ai deux micros, un à gauche, l'autre à droite. Comme ce sont deux pistes différentes, ce n'est pas évident de régler les deux en même temps. Donc en fait j'en ai mis un en mono et j'ai coupé l'autre. Donc on entend uniquement un seul micro. Alors la première chose, c'est que la grosse caisse, je l'ai déjà dans un micro individuel. Donc les graves sur ces micros-là ne m'intéressent pas particulièrement, je vais plutôt avoir envie de les couper. Parce que quand je rajoute la grosse caisse, voilà, les graves, on va en avoir. Hein. Donc, dans les micros d'ambiance et de cymbales, j'ai plutôt tendance à couper les graves. Par exemple, je vais même utiliser un plateau bas. Sans le filtre passe haut, ça donnerait ça. Donc un plateau vers les 125-200 Hz que justement, j'ai, enfin les 100-125 Hz que j'ai boosté tout à l'heure sur la grosse caisse, j'en ai pas besoin dans les micros cymbales. Donc en fait, je fais un plateau bas sur les graves et en plus, je rajoute un coupe grave sur les extrêmes graves. Même je peux remonter un peu. Alors, voyons s'il y a une fréquence gênante vers les 500 Hz. Donc déjà ça éclaircit grandement le son. Je rappelle que les fréquences graves, je les ai dans les micros individuels. Donc ça ramène de la brillance, c'est pas trop mal. Et en plus, je vais essayer d'extraire les cymbales et le charlet en particulier, puisque en fait j'ai pas particulièrement de micro spécial charlet. Il sort à travers les micros cymbales. Donc le charlet c'est vraiment vers les 12 000 Hz. Alors là je l'entends pas beaucoup parce qu'en fait je crois que j'ai pris le mauvais micro, il se trouve de l'autre côté. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant et je vais faire une copie de ce réglage sur l'autre piste. Donc j'ai fait une copie de mon equalizer de la piste de gauche sur la piste de droite, voilà ce que ça donne. Piste de gauche, piste de droite, donc on entend bien mieux le charlet.
Donc voilà pour le son naturel. Je coupe les equalizers pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est les micros bruts et avec l'equalizer. Et maintenant, je rajoute la grosse caisse et la caisse claire.